Quatre femmes, donc plein centre-ville de Lyon, je les vois qui se font interpeller par un groupe de cinq jeunes d'origine africaine. Quand j'ai vu cette scène, j'ai pas hésité, je suis tout de suite allé voir. La tension monte et s'en est suivi une bagarre. J'ai une grande sœur, s'il lui arrivait la même chose, j'aurais aimé que quelqu'un vienne l'aider. Je m'appelle Augustin, j'ai 21 ans, et quand j'avais 17 ans, j'ai aidé des femmes qui se sont fait agresser à Lyon. C'était en août 2019, quatre femmes, donc place Bellecour, plein centre-ville de Lyon, je les vois qui se font interpeller par un groupe de cinq jeunes d'origine africaine. Je les vois ensuite quitter ce groupe en marchant assez rapidement, et ces mêmes garçons les suivre. Ils essayaient de prendre les numéros des filles, et ils insistaient énormément, celles-ci ont refusé plusieurs fois, et ils ont continué jusqu'à ce que j'intervienne. Quand j'ai vu cette scène, j'ai pas hésité, je suis tout de suite allé voir. Donc je vais voir ces filles pour leur demander ce qui se passe, s'il y avait un problème. Où là, du coup, ils ont changé de proie, ils sont tournés vers moi. Et directement, ces garçons qui commencent à me prendre à partie, la tension monte et s'en est suivi une bagarre. Donc après avoir reçu les coups, je me retrouve donc au sol, ils vont partir. Donc les quatre filles sont rapidement venues me voir pour savoir si j'allais bien. Mais moi, je suis parti quand même assez rapidement une fois que la menace était écartée, parce que je saignais quand même pas mal. Et je voulais du coup rapidement aller aux urgences. À ce jour, la justice n'a toujours rien fait parce que la plainte a été classée sans suite. Suite à cette affaire, mon frère a écrit sur Facebook ce qu'il s'est passé et a donné l'origine des agresseurs qui étaient donc africains. Et à cause de cela, des militants, notamment antifascistes, m'ont menacé sur les réseaux sociaux. Juste après l'agression, le traitement médiatique a superposé différentes versions. On raconte notamment que je n'aurais quasiment pris aucun coup, alors que j'ai eu 21 jours d'ITT suite à cela. J'ai eu donc la mâchoire cassée, dû être opéré plusieurs fois pour la réparer, j'ai eu les dents cassées, et j'ai eu d'autres problèmes sur le corps, notamment les cervicales. Donc j'ai pas pris qu'un seul coup. Vu que j'étais militant à l'Action française, j'ai pas eu le même traitement que d'autres auraient pu avoir. J'ai pas eu un traitement neutre. Suite à l'agression, les quatre filles sont exprimées sur les réseaux sociaux. Même si elles ont trouvé mon acte gentil et bienveillant, elles trouvaient ça normal de se faire chasser par ces cinq individus parce qu'elles sont vraiment habituées à être draguées entre guillemets de cette manière-là. Et ce n'est pas normal, évidemment. Après mon agression sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes disaient qu'il fallait agir et aider uniquement les membres de sa famille ou sa copine, sa femme. Je pense l'inverse. Je pense qu'il faut aider la personne, qu'importe la personne, même si on ne la connaît pas. J'ai une grande sœur et s'il lui arrivait la même chose, j'aurais aimé que quelqu'un vienne l'aider. Si c'était à refaire, je le referais, avec peut-être plus de précautions, en appelant d'autres personnes à intervenir avec moi. C'est assez dangereux d'agir seul. Le problème de l'insécurité n'est pas uniquement dans les grandes métropoles. On entend beaucoup parler de Lyon, Paris, Nantes, Marseille. Malheureusement, ces phénomènes-là existent aussi dans les petites et moyennes villes, notamment là où j'étudie en ce moment, en Vendée. Nombre de mes amis se sont fait plusieurs fois harceler, insulter, toujours par les mêmes individus. Ça arrive fréquemment qu'elles se fassent suivre dans la rue. Pour éviter ces problèmes-là, je pense qu'il y a plusieurs manières d'agir. Prenez les filles en rentrant de soirée, en rentrant de bar, tout simplement. Plus on agit, plus on montre l'exemple, et de ce fait, les femmes auront de moins en moins de problèmes dans la rue. Des femmes de mon entourage ont été victimes d'insécurité. Face à l'inaction de l'État, on s'organise pour les aider mieux possible par des astuces, par de l'organisation assez simple. Par exemple, un groupe WhatsApp où on met une sonnerie particulière sur ce groupe, et si la fille est embêtée, elle a juste à envoyer rapidement son adresse, et nous on sait qu'il y a un problème et on va à l'endroit où elle a un problème. Et également, pour les femmes dans la rue, je leur recommande vraiment d'acheter une gazeuse, et j'en ai acheté une pour ma sœur. Ça peut les sauver d'une agression.